Bonjour à tous. Il a commencé sa carrière politique à la mairie d'Épinay-sur-Seine, a travaillé aux côtés de Pierre Mauroy lorsqu'il était à la tête du PS. Élu député de Seine-Saint-Denis en 1997, il s'est notamment spécialisé sur les questions de sécurité et de police. Depuis juin 2012, il préside le groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Bonjour Bruno Leroux. Bonjour. Entre le premier tour des municipales et ces mauvais chiffres du chômage, hier, on peut dire que le gouvernement et le chef de l'État sont en train de vivre une semaine cauchemardesque. Comment se remet-on d'une séquence pareille ? En essayant de dire l'enjeu du scrutin dimanche prochain. Le premier tour, il avait une signification. Et on a beau dire que c'est une élection municipale, les électeurs ont voulu nous faire passer un message national. Le message sur « mais ça va venir quand les résultats ? Ce que vous faites, est-ce que c'est la bonne solution pour notre pays ?» Et donc il va falloir les rassurer, leur décrire encore mieux ce que nous faisons, pourquoi il y a besoin de compétitivité dans notre pays, pourquoi le débat sur l'emploi ne peut pas être délié de la santé de nos entreprises, de leur capacité à aller accrocher de nouveaux marchés. Mais en même temps, on a vu qu'il fallait un contenu social qui soit plus fort, parce que le sentiment que dans cette période qui est dure pour chacun, on ne fait que pour quelques-uns, et notamment que pour le milieu économique, s'est installé chez une partie des Français. Ce que vous nous dites là, et on va y revenir, c'est l'enjeu déjà de l'après-second tour. Entre les deux, est-ce que vous considérez qu'il n'y a aucune chance de corriger les résultats de dimanche dernier ? C'est bien pour cela que je dis que j'ai entendu et que j'essaye de décrire le message du premier tour, mais que je dis que lundi prochain, quand on se réveillera, non simplement nous aurons tiré les enseignements de ce premier tour, mais il y aura des noms d'élus, des noms de maires. Et que quand on veut un maire, on le choisit au second tour. Et moi, je demande aux électeurs que j'ai entendus sur le premier tour d'aller choisir leur maire, leur équipe municipale lors du second tour, et de le faire en choisissant ce dont ils sont contents. Quand ils ont un maire dont ils sont contents, eh bien qu'ils votent pour le renouveler. Quand ils ont un projet qui leur plaît, qu'ils votent pour mettre en place ce projet. Je souhaite que dans ces élections municipales, personne, le lendemain, ne se réveille avec ce qu'on appelle la gueule de bois. Et donc pour cela, je dis, nous avons entendu ce que vous nous avez dit au premier tour, au second tour, choisissez des maires. Alors, vous-même, Bruno Leroux, vous figuriez sur une liste socialiste à Saint-Ouen, en troisième position sur cette liste. Une liste qui s'est retirée au profit de la maire sortante du Front de Gauche. Mais vous n'avez pas fusionné les deux listes. Ça n'a pas été possible de s'entendre avec les communistes ? Non, il y avait un résultat du premier tour. La maire communiste n'a pas souhaité prendre en compte ce résultat du premier tour pour constituer la liste de rassemblement. Ce que nous souhaitions, c'est dommage parce que moi j'ai pris mes responsabilités avec la liste. Nous avions fait un très bon score. Nous n'avons pas voulu, je ne veux pas qu'il y ait un risque de victoire de la droite à Saint-Ouen. Et donc face à l'attitude qui a été une attitude très méprisante de la maire sortante, nous avons fait le choix de nous retirer pour ne pas favoriser l'élection d'un maire de droite en disant il faut voter pour Madame Rouillon à Saint-Ouen, mais très franchement, elle aurait eu plus d'assurance sur le résultat de dimanche prochain si elle avait su faire le rassemblement. Alors, projetons-nous sur lundi avec un inévitable remaniement, semble-t-il. Remaniement, pourquoi faire et avec qui, selon vous ? Est-ce qu'il faut remplacer Jean-Marc Ayrault ? Et s'il faut le remplacer, qui a le meilleur profil ? Mais vous posez là les bonnes questions. Et surtout les questions auxquelles moi je ne peux pas répondre, il n'y a que le président de la République qui peut répondre à cela. J'ai dit que la concentration, le tir sur Jean-Marc Ayrault était totalement injuste. Il n'y a pas Premier ministre plus loyal, plus engagé dans la réforme, si peu soucieux de son image personnelle qu'il accepte de prendre les décisions difficiles, nécessaires au pays. Est-ce que nous pouvons améliorer les explications données aux Français ? Oui. Est-ce qu'il est possible d'améliorer demain l'animation de l'équipe gouvernementale ? Oui, à l'évidence. Est-ce qu'il faut des changements profonds ? C'est au président de la République de le dire. Moi, je veux m'intéresser au fond. Parce que le message de ce premier tour, ce n'est pas le message de « il faut changer de gouvernement ». C'est le message de « il faut dans cette politique un contenu social de justice qui soit plus fort, qui soit mieux exprimé ». Et c'est à cela, moi, que je veux m'atteler dès lundi matin, redonner du contenu social aux politiques que nous menons. On évoque depuis hier la possibilité de gestes en direction des Français les plus modestes, des gestes qui pourraient passer par des baisses d'impôts. C'est les informations dont vous disposez également ? En tout cas, c'est nécessaire. Mais ça ne peut pas se limiter à cela. Quand je dis c'est nécessaire, nous avons dit que nous voulions corriger les effets qui étaient les effets néfastes des décisions prises par Nicolas Sarkozy, qui ont touché les plus modestes et qui continuent, parce qu'il y a un effet retard dans ces décisions fiscales qui continuent à les toucher. Et donc là, il faut continuer à protéger les plus modestes. Bruno Leroux, mais en matière fiscale, ce qui a touché les Français et pas seulement les plus modestes, c'est tout de même la politique fiscale qui a été menée par le gouvernement actuel. Non, parce que cette politique, et d'ailleurs vous l'avez montré vous-même, il
il y a quelques jours, elle a permis de rétablir de la justice et notamment de faire en sorte que ceux qui payaient le moins d'impôts en payent plus et que ça ne pèse pas sur ceux qui en payaient le moins. Et pour autant, il y a des gens qui sont rentrés dans l'impôt avec ce qu'on appelle le plafonnement du plafond. C'était quelque chose qui a fait que quand on n'avait pas de revenus supplémentaires, on payait quand même des impôts. C'est le genre de mesure sur lequel il faut revenir. Mais quand je dis contenu social, c'est à la réforme des collectivités, c'est à la réforme de la protection sociale que je pense. Il faut essayer de donner des éléments aux Français qui se disent « mais puisqu'il y a des économies, il y aura forcément des restrictions, il y aura forcément des services publics qui se dégraderont ». Or, ce n'est pas le chemin que nous allons prendre, et cela, il faut l'expliquer. C'est ce que j'appelle aussi le contenu social de la réforme. Mais puisque vous parlez d'économie, on sait que 50 milliards d'euros d'économies dans les dépenses doivent être annoncées dans les jours, dans les semaines qui viennent. Est-ce qu'il faut changer la ligne sur ce terrain-là ? Je pense que nous voyons bien qu'aujourd'hui, l'objectif du président de la République de rétablir les finances publiques de notre pays passe par des économies. Et là, je le dis aux Français, si nous voulons faire des économies, c'est pour ne pas qu'il y ait d'impôts supplémentaires. C'est bien cela. Puisque quand on veut arriver à un zéro déficit, à un équilibre de notre budget, même si je pense qu'il faut le faire non pas à marche forcée, mais en respectant une tendance à la baisse. Mais quand on veut aller dans ce sens, eh bien on a deux choix. Soit on a la croissance, et aujourd'hui elle est encore relativement faible, mais il faut la conforter. Soit l'on fait des économies, soit l'on demande des efforts aux Français. Il est hors de question de continuer à demander aux Français de faire des efforts supplémentaires. Ils en ont assez fait ces dernières années. Et donc cela passe par des mesures d'économie, mais qui ne passent pas en matière de protection sociale aujourd'hui. Quand on regarde ce qui se passe au niveau de l'ambulatoire, l'adaptation de l'hôpital, eh bien toutes ces nouvelles techniques doivent y être développées parce qu'elles permettent des économies et en même temps une amélioration de ce qui est apporté aux patients. Et c'est dans ce sens que nous pouvons demain progresser, réformer, sans pour autant restreindre les droits qui sont ceux des Français. On a senti depuis dimanche dernier les parlementaires socialistes extrêmement remontés contre l'exécutif, et vous êtes bien placé pour le savoir puisque vous présidez le groupe socialiste à l'Assemblée. Est-ce qu'il faut s'attendre à une sorte de fronde dans les semaines qui viennent, ce qui serait très problématique pour l'exécutif qui doit soumettre le pacte de responsabilité au vote des parlementaires. Est-ce que ce pacte est menacé aujourd'hui ? Il n'y a aucune fronde en vue des parlementaires, simplement des parlementaires qui vont vouloir remonter au gouvernement. Quand on sort d'une campagne électorale, on a des choses à dire, on a entendu, on est en position de médiation pour expliquer ce qui s'est passé sur le terrain et le transformer au niveau politique. Et donc cette question du contenu social, de la réforme, est quelque chose qui est déjà remonté, que j'ai eu, les nombreux parlementaires que j'ai eu au téléphone me l'ont fait remonter. Est-ce que dans leur esprit, c'était revenir sur la politique de redressement du pays ? Non. Est-ce que dans leur esprit, c'était revenir sur le fait que nous voulions mettre notre capacité productive en situation de regagner des marchés et donc de faire en sorte qu'il y ait de l'emploi ? Non. Donc il n'y aura pas sur le pacte de responsabilité de recul des parlementaires. Par contre, regardez son contenu, améliorer son contenu social, oui, c'est quelque chose que nous discuterons avec le gouvernement dès la semaine prochaine. Merci beaucoup, Bruno Leroux. À bientôt.